quoi? La Floride. On est déter ou pas? Alors dis-moi un petit peu d'où tu viens, quelle ville. On vient de finir une petite séance traction. On est déterminé comme jamais. On est là. La Guy, il est partout. Il est partout, la Guy. Dis-moi, il est quelle heure chez toi? Dis-moi un petit peu d'où tu viens. Quelle ville? Est-ce que tu m'entends bien? Parce que je sais que des fois, il y a du vent. Ah, ça, c'est une très bonne question. Là, je suis en Floride. Là. Je suis à côté de Miami. Donc voilà, quoi. On est sur une petite piste où tout le monde fait... Tout le monde fait du sport, tu vois. Voilà, soleil couchant, les gars. Soleil couchant ou pas? Bon, à ce qui paraît, c'est la fin du confinement aujourd'hui. C'est la fin du confinement ou quoi, les gars? Vous êtes sortis ou quoi? Mais c'est la fin du confinement, mais genre, c'est pour les enfants ou tout le monde peut sortir? 1h46, ah ouais, j'avoue. Les gars, c'est plus confinement là, faut travailler maintenant là. Ça y est, c'est fini là. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous avez profité, les gars, du confinement pour pouvoir prendre ma formation offerte pour créer votre business en ligne. Ah, parce que le temps il passe, hein. ça fait je sais plus combien de mois, je vous dis, de prendre la formation offerte pour créer votre business en ligne, parce que c'est le moment et jamais durant la crise, c'est le moment où il faut créer son business en ligne, parce qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Tu l'as compris, les entreprises ont compris. Hein. Je peux te dire que tout le monde a basculé sur le net. Hein. Donc on a la chance, nous, le peuple, mécréant, de pouvoir accéder à la richesse grâce au business en ligne, hein, parce que concrètement, si tu veux faire une franchise ou un truc comme ça, il faut du cash quand même, hein. Il faut au moins 10 20 000 euros, c'est pas tout le monde casse. Et en plus, 10 20 000 euros, tu as une petite franchise, un truc où tu achètes une prison en fait, un truc où tu vas travailler pour toi-même, mais tu vas être comme un employé, quoi. Donc là, les gars, cliquez sur le lien juste en dessous le lien dans la bio. Pour pouvoir accéder à ma formation offerte pour créer votre business en ligne, c'est d'une valeur de 200 euros. Je vous montre exactement comment créer votre business en ligne, comment à partir de votre passion, ou si vous êtes un expert, coach, expert consultant, tu vois, ou si tu as une passion, ça peut être même dans le foot. Il y a un gars qui me disait, ouais, j'ai une passion dans le foot. Ouais, tu peux monétiser ça. Tu vois, je t'apprends à comment créer des formations en ligne et pouvoir vivre de ton business en ligne à travers tes formations en ligne. En gros, tu vas vendre des formations en ligne, tu vois. Donc, moi, je l'ai fait sur le saxophone, par exemple. Mon premier business, c'était sur le saxophone parce que c'est ma passion, le saxophone. Et j'ai créé mon premier business là-dessus. J'ai vendu mes premières formations en ligne là-dessus. Et quand j'ai lancé ma première formation, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, tu vois. Après, j'ai fait en moyenne 2 000 euros. Mais je peux te dire qu'il y a plein de gens qui aimeraient gagner 2 000 euros. Surtout que là, maintenant, j'ai même plus besoin de travailler, parce qu'une fois que tu as lancé la machine, après, tu travailles plus autant. Enfin, pas que tu... Je dis pas que tu travailles plus. Mais genre, tu travailles pas beaucoup, quoi. Franchement, là, moi, sur le business en ligne, sur le saxophone, je travaille vraiment, vraiment pas, quoi. Et pourtant, il y a toujours des clients qui rentrent, tu vois. Et je travaille pas. C'est sûr, ça. J'ai fait 2 vidéos la dernière fois, mais ça faisait un an que j'avais pas fait une vidéo sur YouTube, tu vois. Sur ma chaîne. Tu pourras aller voir si Jonathan le saxophoniste. Donc, les gars, passez à l'action. C'est maintenant qu'il faut le faire, les gars. Croyez que le gouvernement, déjà, le gouvernement, il a du mal à se gérer lui-même. On sait pas. Il va pas pouvoir t'aider. Hein. Prends ta vie en main, mon ami. Prends ta vie en main. Parce que personne ne le fera pour toi. Personne. Donc, clique sur le lien dans la bio. Pour accéder à la formation offerte, pour pouvoir créer ton business en ligne. Voilà, que tu aies une passion. Ça peut être le jardinage, ça peut être la photo, ça peut être le maquillage, ça peut être. Franchement, à partir du moment où il y a un livre qui parle de ta passion, eh ben, tu peux créer des formations en ligne là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Il y en a qui disaient, ouais, j'attends la fin du coronavirus. Ben non, mais mauvais timing, les gars. Non. Non, là, t'as pas bien réfléchi quand tu t'es dit ça. Non, c'est maintenant faut passer à l'action. Surtout, alors, c'était mieux hier, pendant que tu étais en confinement, parce que du coup, tu avais du temps pour vraiment développer ton business en ligne et commencer à faire du cash. Mais c'est encore valable. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La crise, on va rentrer dedans, je pense, dans 2-3 mois. Vraiment, bon, elle est déjà dedans. Hein. Je pense que ça va vraiment avoir des répercussions, on va vraiment les voir dans 2-3 mois, parce que là, comme le gouvernement, il donne de l'argent un petit peu à tout le monde, pour l'instant, on le ressent pas trop. Mais des entreprises, elles souffrent déjà. Il y en a plein qui ont fermé. C'est fini. Hein.
Donc c'est vraiment maintenant, parce qu'il va y avoir trois sphères de richesse, et tous ceux qui ont créé leur business en ligne maintenant, eh ben genre ils vont me remercier, les gars. Vous allez me remercier. Vous allez me dire, mais putain, mais heureusement que Jean-Thème m'a dit ça. Et tous ceux qui vont voir que genre j'avais raison, que le business en ligne explose durant la crise, ils diront, mince, il nous avait dit. C'est-à-dire que de toute façon, dans tous les cas, que ça explose ou pas, dans tous les cas, tu seras gagnant d'avoir créé ton business en ligne, parce que tu gagneras ta vie, tu pourras être libre géographiquement et être à Miami comme je suis aujourd'hui, formatif de séance de sport. Voilà. Donc, clique sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à ta formation offerte, pour pouvoir créer ton business en ligne à partir de ta passion, de ton expertise de coaching ou ton expertise tout court. D'accord, ta passion. Voilà, comme je t'ai dit, moi, je l'ai fait sur le saxophone. Il y en a qui ont fait sur le jardinage, mon gars. Qu'est-ce que tu veux ? On peut le faire sur tout, donc t'as pas d'excuses. Ok, donc on est toujours en Floride. Ah, il fait bon vivre ici, les gars. Il fait bon vivre. Ouh, j'ai soif là. J'ai soif, les gars. Donc, les gars, si vous prenez pas votre vie en main, il va rien se passer. Arrêtez de compter sur le gouvernement. Arrêtez de passer à côté de votre vie. Nos parents l'ont fait, d'accord ? Nos parents ils l'ont fait, nos arrières, nos grands-pères l'ont fait, d'accord ? Donc, ne faites pas la même erreur. Vis la vie comme tu aurais voulu la voir. Enfin, vis la vie comme tu aurais voulu la vivre, en fait. Juste crois en tes rêves et fais-les, c'est tout. Pas de bullshit, pas de réflexion utile. Oui, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas une arnaque ? Est-ce que c'est blablabla ? Passe à l'action. T'as envie de faire quelque chose, fais-le. Tu veux créer ton business en ligne, fais-le. D'accord, t'as une formation offerte. Tu vois, t'as une formation offerte. Là, l'argent que tu as là, c'est pas pour pouvoir le dépenser pour qu'il ne serve à rien. Tu vois, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils ont de l'argent, ils le déposent dans des choses qui leur rapportent pas d'argent. Et ils se rendent même pas compte qu'investir en eux, ça veut dire acheter de la connaissance, et ben ça va leur permettre de s'enrichir. Ils ne se rendent même pas compte de ça, ils préfèrent acheter des télés, des iPhones et tout. C'est cool d'acheter ça, mais si tu n'achètes que ça, tu vas juste appauvrir, en fait. Parce que c'est juste des choses qui te font perdre de l'argent. Il n'y a rien qui... Tu ne mets pas ton argent dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Il y a deux manières d'utiliser son argent pour que ça t'en rapporte. C'est de le mettre en toi, donc d'acheter de la connaissance, et d'acheter des actifs, ça veut dire des choses qui te rapportent de l'argent. Donc ça peut être investir en bourse, en immobilier, tu vois. Mais la seule différence qu'il y a entre les gens qui sont riches et toi, la seule différence, c'est qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. Et du coup, ils appliquent les choses qu'ils savent. C'est juste ça. Donc là, moi, je te propose d'accéder à la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. Tu auras toutes les stratégies pour pouvoir vendre des formations en ligne et pouvoir vivre de ton business internet, pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Ok ? Donc, passe à l'action. N'écoute pas les gens qui sont autour de toi. Écoute que les gens qui ont déjà des résultats. Sinon, ils les écoutent pas. Ok ? Bon, les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés.